Avec une fréquentation en baisse de 40% l'an dernier, l'écomusée de Marquès à Sabre dans les Landes a pu enfin rouvrir ses portes. Chaque année, plus de 100 000 personnes s'y pressent pour découvrir l'histoire de l'agropastoralisme landais. Alors les visiteurs sont-ils au rendez-vous pour cette réouverture? On voit tout cela avec Alexandre Perrin et Laurent Montiel. File d'attente au guichet, les visiteurs sont de retour à Sabre. Ils étaient 260 ce matin à découvrir l'écomusée de Marquès, l'un des plus grands et des plus anciens de France. Basse-cour, troupeaux de brebis, fermes traditionnelles reconstituent ici la vie pastorale dans les Landes au 19e siècle. On avait prévu de venir à l'automne et puis ça a été fermé. Voilà, donc on n'a pas pu venir et là on est très content de pouvoir en profiter au printemps. L'architecture des maisons d'autrefois, voir tous les animaux de la ferme, c'est un super moment à partager avec les enfants. Activer la boîte à baies pour imiter la brebis, secouer la petite cloche comme celle des brebis, puis faites-lui toucher la laine. T'as touché la laine toi? On vient juste d'arriver, il fait beau, il y a des animaux, les enfants sont ravis. Je vérifie qu'elles ne partent pas avec les moutons d'ailleurs. On va passer une super journée. Le site a rouvert ses portes avec 4 mois de retard, une reprise d'activité très attendue après une année marquée par la crise sanitaire. En 2020, l'écomusée a vu sa fréquentation chuter de 40%, mais depuis le 12 juin, une clientèle régionale est de retour, curieuse de découvrir l'histoire de ce territoire. On est au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, à l'aube entre cette sylviculture industrielle et à la fin finalement d'un système agro-pastoral qui est représenté ici. Donc voilà, je pense que c'est bien quand on arrive sur le territoire, qu'on vienne de n'importe où en France, ou en visiteur ou en nouvel habitant, de venir découvrir un petit peu qu'est-ce que ce territoire. Les visiteurs sont au rendez-vous, on a fait une belle ouverture le 12 juin avec 300 personnes, donc c'est un bon signal. Propriété du parc régional naturel des Landes de Gascogne, l'écomusée de Marquès accueille chaque année entre 85 000 et 100 000 visiteurs.